tandis qu'on pulvérise haut la main tous les records, discipline extinction de masse, catégorie terre abattue. Qu'on relègue les aires glaciaires, volcans géants, météores, au rang d'amateurs en chaos, guerriers poussins, tueurs, poids-plumes. Tandis qu'on devrait tous enterrer la calage de guerre, faire taire un temps les querelles, les moteurs et les menteurs, s'unir et réagir à cette logique élémentaire, il y a une urgence vitale à réparer l'élément terre. Nos dirigeants qui ont le sens de l'humour et du spectacle nous font un sacré cirque pour nous changer les idéaux. Copperfield lui-même appellerait ça un vrai miracle, une nuée d'autres états d'urgence qui s'envolent de leur chapeau. Un mandat d'inattention et hop, disparaît l'essentiel, l'urgence devient banale, la normale devient la norme. On accepte le paradoxe de l'exception perpétuelle et on attend sagement que tout rentre dans l'ordre. Et tant qu'on lorne sur la carotte d'un retour au moins pire, on accepte docilement de laisser couler dans nos veines le ciment qui scelle entre elles les pierres de leur empire, la pyramide sociale des pharaons des temps modernes. Jour après jour, on voit grandir sa taille indécente. Je voudrais rappeler ici que son cœur est un tombeau. On rêve d'ascension, mais elle se nourrit de nos descentes, car plus sa base est large, et plus elle peut monter haut. On a d'autres alternatives que de laisser les riches faire de nous des rats de lobby, pris dans des pièges à cons sommés. À défaut d'échelle sociale, on peut gravir celle de riches terres, faire gronder les sols pour faire trembler les sommets. On est comme un big band en face du chef d'orchestre. Si on n'aime pas cette musique, il suffit juste qu'on s'accorde à écrire ensemble la partition de nos vies terrestres, au lieu d'attendre sagement que tout rentre dans l'ordre. Et petit à petit, on accepte l'inacceptable. On se masque, on se muselle, on s'arrête même de danser, de marcher en forêt, de pique-niquer sur le sable. On ferme nos livres, nos théâtres et nos musées. Sans contact, c'est sur la toile qu'on tisse des liens seuls. Le spectacle vivant meurt, la culture, on l'assassine. Nos fous rires sont sous Prozac, nos sourires sous linceul. On pleure sur la graine d'autocratie qui prend racine. Avant que la graine soit baobab, que la haine soit paysage, avant que Marianne rende les armes et son dernier souffle, avant qu'on lise cette citation sur son épitaphe, pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Atterrissons à l'unisson, unissons nos efforts, mettons un temps nos petits conforts entre parenthèses. On n'a pas vu de telles crises de mémoire de dinosaures, et il n'y a jamais eu de révolution en charentaise. Alors dressons-nous avant que ce soit eux qui le fassent, avant que la Constitution se transforme en QR code, avant que la planète se change en grande surface. Mes amis, n'attendons plus que tout rentre dans l'ordre.